Je vais utiliser mon quatrième téléphone. Si le téléphone s'y bug encore, vraiment, Facebook, je vais vous laisser. Vraiment, je commence. Voilà. Le sel rouge n'est pas obligatoire, mais ce serait l'idéal si tu peux avoir le sel rouge. Dans vos villes, vous avez le sel rouge là-bas, dans vos villes. Allez au marché. Si vous êtes à Douala, vous pouvez venir acheter à Makepe, dans notre magasin à Makepe. Donc, l'autre aussi que je vais vous montrer, si tu ne crois pas en Jésus, tu fais comme ça, non? C'est ce que je vais vous montrer. Je peux avoir un plat, s'il vous plaît. Un plat cassable, bien, un tout blanc. Ça, c'est pour les malédictions générationnelles. Comment se débarrasser des malédictions générationnelles? Des trucs qui viennent de vos grands-pères, de vos grands-mères, de depuis longtemps, longtemps là. Donc, pour ça, vous avez besoin du gel douche. Donc, j'ai la chance d'avoir du gel sang de Jésus ici déjà. Vous avez besoin d'un gel de douche. Même si tu as ton gel de douche Dove, ça peut marcher avec. Hein. Donc, je précise qu'au lieu de ne rien faire en disant que tu n'as pas de quoi tourner, Junior, s'il te plaît, apporte une cuillère et puis cherche, demande qu'on te donne de l'huile rouge là-bas. Il y a l'huile rouge dans les boîtes là-bas. Vous savez, les malédictions générationnelles sont. Ça affecte notre vie comment? Tu as peut-être quelque chose que ta mère avait. Ta mère ne s'est pas mariée. Ou bien ta mère restait malheureuse toute sa vie. Elle partait de maison en maison, de gare en gare, je ne sais pas. Elle commençait un business, ça échouait. Toi, tu as déjà peut-être 35 ans. Quand tu observes ta vie, tu vois que les mêmes problèmes que ta mère avait, tu es en train de te retrouver en train d'avoir les mêmes problèmes. Donc, le bain que je vais vous montrer, la chose que je vais vous montrer, c'est pour permettre d'enlever tout ce qu'il y a de négatif dans ce sens-là. Je vais même verser un peu ici. Tu l'as apporté de quoi tourner. D'accord. Non, ça va, c'est seulement du gel, ça va. Merci. Voilà. Pour faire que ce soit du gel au lieu que ce soit de l'huile rouge qui tombe. Donc, vous aurez besoin d'huile rouge. Vous aurez besoin de gel. Pas forcément le gel sang de Jésus. Hein. Où est la cuillère pour tourner? À chaque fois que vous faites votre bain, c'est bien d'avoir toujours. La bougie autour de vous. Vous êtes en train d'utiliser la force du feu et la force de l'eau. Voilà, merci. Donc, ce que vous allez faire, je prends un peu ce. Ça, c'est du gel. Le gel sang de Jésus. Donc, vous pouvez aussi préparer les bains de vos enfants. Et puis, vous mettez dans leur douche. Comme ça, ils peuvent utiliser. Le spirituel n'est pas comme le physique, que c'est la quantité qui compte. Dans le spirituel, je peux prendre une pincée de quelque chose. Je mets. Cette pincée que j'ai mise et j'ai parlé sur ça, ça a l'effet. Moi, je prends toujours l'exemple peut-être du cyanure. Pour empoisonner quelqu'un, tu n'as pas besoin de beaucoup de poison. Ce n'est pas parce que la personne aura bu un verre de poison qu'il va mourir. Il te faut juste une pincée. Pour certains poisons, c'est une pincée. Pour certains, c'est deux gouttes de quelque chose qui n'est pas bon pour la santé de la personne. Tu déposes là-dedans et c'est tout. Donc, j'ai parlé des malédictions générationnelles. Tu as ton père, tous les enfants de ton père n'ont pas l'argent. Voilà. Tu as déjà tout fait. Ta part ne marche pas. Tu es là comme ça. Même le mariage, on vient, on te marie, après on te laisse. Wow, donc, tu es là fatigué des problèmes. Et quand tu restes, tu sais que là où tu es là, tu n'as pas de problème, c'est générationnel. Donc tu as besoin de ta Bible. On va lire le psaume 35, le psaume 37. Vous allez aussi lire une partie du psaume 51. Et vous allez faire, vous aurez besoin de la cendre. Si vous n'avez pas de cendre parce que vous êtes en Europe, vous pouvez prendre une feuille. Vous brûlez les feuilles, un cahier. Tu prends un cahier, tu brûles le cahier. Tu déposes juste dans une assiette quand tu es en train de brûler. À la fin, tu auras la cendre. Donc, c'est cette cendre-là. Et même une astuce encore, ce que tu peux faire, c'est quoi? Tu commences d'abord par écrire ce que tu désires sur un papier. Ce que tu désires abolir dans ta vie. Pauvreté, célibat, tu écris toutes ces choses. Quand tu viens d'écrire maintenant, tu pries en disant, Seigneur, comme je brûle ceci, je déclare que je me débarrasse totalement de cette malchance. Je me débarrasse de l'esprit de rejet. Le fait que les hommes me rejettent toujours, tu brûles. Maintenant, la cendre de ça, c'est ça que tu vas prendre pour faire le travail qui va te montrer là.
Donc, merci pour les cœurs que vous me laissez. Donc, tu prends le gel douche, ça peut être le gel douche d'Orve. Bon, ceux qui achètent des produits chez moi, ça peut être le gel douche. Ça peut être le gel douche, sang de Jésus. Dans vos kits aussi, vous avez les gels. OK? Voilà. Tu as besoin. Moi, je vais mettre ça dans une pincée. Une pincée de cendre. Maintenant, tu as aussi besoin d'une pincée de sel. Moi, je vais mettre trois pincées parce que je préfère qu'il y ait plus de sel là-dedans. Donc, je vais mettre trois pincées de sel. Une, deux, trois. Soyez généreux dans vos pincées de sel, s'il vous plaît. Donc, regardez bien. J'ai trois pincées de sel, une pincée de cendre. Tiens, pour répondre. Allô? Oui, allô, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais redonner la recette parce qu'il y a Olo qui vient d'arriver. Merci pour le partage, pour ceux qui partagent la vidéo. Et écoutez, ce n'est pas parce que tu as forcément dépensé 50 000 ou 500 000 que ton travail va marcher. Mais c'est le cœur que tu mets. Et aussi la persévérance. Parce qu'il y en a parmi vous, on vous a bloqué. Bloqué. Mais toi, tu as dit que tu n'abandonnes pas. Tu fais toutes les astuces. Tu fais, tu payes ta dîme. Tu mets les offrandes. Tu fais les dons à l'orphelinat. Tu fais tes lavages. Tu es toujours là. Et chaque fois que tu fais ça, enlève un petit tout. Chaque fois que tu fais ça, enlève un petit tout. Donc, je précise ici, c'est pour enlever les malédictions générationnelles sur vous. Donc, j'ai trois pincées de sel. Et puis, j'ai... Dépose là-bas, s'il te plaît. Et j'ai de la cendre. Pélagie, j'ai dit ici 5 fois au moins de prendre n'importe quel gel de douche. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vais répéter. La cendre, soit tu prends la cendre normale de la cuisine, soit tu prends un papier, tu écris ce que tu désires arrêter dans ta vie. Je veux finir avec le célibat. Je veux finir avec la pauvreté. Je veux finir avec telle chose. Quand tu finis maintenant, non, c'est bon, ne brûle pas, j'en ai un ici. Et ça déjà, c'est assez, l'encens que je brûle ici. L'encens de laurier, si c'est assez. C'est pas parce que vous ne voyez pas plein de fumée ici, là, que ça n'agit pas. Hein. Quand tu brûles l'encens, au moins ça 100 mètres carrés ici, là, ou 200 mètres après notre barrière, les mauvais esprits sentent ça. Donc, c'est les gens simplifient souvent les encens. Quand tu fais ça ne marche pas, tu fais encore. Tu fais ça ne marche pas, tu fais encore. Tu dis que vous vous fatiguez trop vite. Vous avez des formules comme ça là. Tu fais. Écoutez, ouais. Tu fais. Voilà. Donc, la cendre, tu la fais comment? Tu prends un bout de papier, tu écris ce que tu désires arrêter dans ta vie. Procrastination, célibat, tu écris. Tu prends maintenant le papier là, tu brûles. Comme je brûle ce papier, je déclare que le célibat s'arrête dans ma vie. Je me marie. Je déclare que la pauvreté, toi et moi là, on ne se connaît plus. Tu ajoutes dans les sommes qu'on va lire tout à l'heure. Dans la cendre que tu auras brûlée là, si tu n'as pas, tu prends la cendre de ta mère, voilà. Ça c'est la cendre qu'on met dans les kits. Ça c'est la cendre que j'ai déjà bénie. Donc j'ai pris une pincée de cendre que j'ai mis ici. Et j'ai mis trois pincées de sel. Vous voyez que mes pincées de sel sont costaudes, non? Vous voyez ça, non? Bonjour et merci pour les partages, ceux qui viennent d'arriver. Nos produits, je vous ai déjà dit, on vend les kits, kits de commerce, kits de déblocage. Le travail, si c'est seulement une partie du travail qu'il faut faire pour enlever les malédictions générationnelles sur soi. Donc, quand tu as mis les trois ensemble, trois pincées de sel, une pincée de cendre, prends maintenant la Bible, tu prends ta Bible. Ici. Tu vas prendre le psaume 35. Tu vas tourner dans un seul sens. On tourne toujours dans un sens. Donc, il y a aussi l'autre qui dit qu'elle brûle les pots d'ail. Elle brûle ça dans sa maison comme encens. Donc, on va faire le travail dans un sens. Éternel des armées, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent, Seigneur. Saisis le grand et le petit bouclier, Seigneur. Père très saint, brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs.
Vous allez voir que c'est en train de changer de texture. Ok? On continue de tourner. Seigneur, dis à mon âme, je suis ton salut. Je vais mettre un peu d'eau. C'est pas nécessaire de mettre un peu plus d'eau. Hein. On va faire l'huile rouge après, ma chérie. Ne te dérange pas, Eliane. Donc, je continue de tourner. C'est parce que j'ai pris une petite quantité de gel. Mais généralement, ça, si vous faites, faites avec beaucoup. Voilà. Qu'il soit honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'il recule et rugisse. Si tu connais quelqu'un qui te déteste en particulier, tu prononces son nom. Je prononce la confusion. Fausse Jean Bosco. Je mets la confusion sur ta vie. Tu me laisses tranquille au nom de Jésus. Voilà. Tu continues de tourner. Je déclare que la route de mes ennemis. Écoutez, hein, quand votre vie ne marche pas, il y a quelqu'un qui est derrière. Il n'y a pas le hasard dans le spirituel. Tes choses ne donnent pas. Il y a quelqu'un derrière. Oh, le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Le pasteur a dit que c'est le temps de Dieu. Arrêtez ça. À ton âge, il y a des gens qui sont un milliardaire. Même moi, quand vous parlez à mon âge, il y a des gens qui sont un milliardaire. Je fais quoi aussi? Tu tournes. Que leur route soit ténébreuse et glissante. Que l'ange de l'éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu un filet pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris. Vous croyez que David était gentil, hein? Vous là, vous n'aimez pas punir vos ennemis. À partir d'aujourd'hui, toute personne qui vous attaque, vous retournez le feu sur la personne au nom de Jésus. Vous êtes gentil, pas toucher le marabout. Oui, je veux qu'elle meure. Tu es là, tu suivis seulement. On a commandé ta mort au moins 50 fois. Tu pars, tu es gentil sur eux. Deutéronome 28, verset 7. Je déclare maintenant que j'ai la victoire sur tout ennemi qui s'élève contre moi. Toute personne qui sort contre moi par un chemin. Je déclare que cette personne s'enfuit devant moi maintenant par sept chemins au nom de Jésus. Papa, quand je vais faire mon lavage, quand je vais me frotter avec ceci, je déclare ma libération de toute malédiction. Tout mauvais sort qu'on a mis sur ma famille, qui est en train de m'atteindre. Toute fondation maléfique sur ma famille, je déclare que je m'en débarrasse, moi et mes enfants. Et on personnalise la fessière. J'ajoute encore la cendre. Mettez toutes les choses dedans en chiffres impairs. J'ajoute encore la cendre. Je tourne. Je déclare que toute puce qu'ils ont mis pour me détecter, pour me traquer, tout miroir qu'ils ont mis pour voir ce que je fais, pour voir ce que je fais, pour checker ma vie, je brise ces miroirs au nom puissant de Jésus. Je retourne la flèche sur eux-mêmes au nom de Jésus. Toute fondation maléfique sur ma vie, par ce lavage, je déclare que ces fondations maintenant sont détrônées, sont détruites au nom de Jésus. Vous êtes en train de charger ça. Vous êtes en train de charger. On va aller maintenant au psaume 37. Seigneur, je me confie en toi et je pratique le bien. Seigneur, je garde le silence devant toi et j'espère en toi. Je ne m'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, Seigneur. Je ne m'irrite pas. Car tout méchant de ma vie sera retranché. Tu vas lire le psaume 37, tu vas aller au verset 9. Tous méchants de ma vie sont retranchés devant moi. Au nom de Jésus. Je déclare, je commande sur eux la mort. Encore peu de temps, verset 10. Et le méchant n'est plus. Au nom de Jésus. Je déclare que tout méchant qui a tiré son glaive contre moi, pour me faire tomber, pour m'égorger, je déclare que ces armes qu'il a lancées contre moi retournent sur lui et sur ses enfants au nom puissant de Jésus. Je déclare selon le psaume 37, verset 9, verset 20, pardon, la mort de tout méchant de ma vie, tante, oncle, peu importe. Si tu fais une grande quantité, tu vas garder le reste. Donc tu peux préparer comme ça. Là, si tu as, certains d'entre vous avez beaucoup d'enfants. Vous faites comme ça, après vous mettez, vos enfants se lavent avec.
Oui, j'ai rajouté de l'eau. Quand il rajoute de l'eau, après l'eau disparaît. Il va encore rajouter. Je viens maudire toute personne qui est partie prononcer des malédictions contre moi. Le verset 22. Je déclare que je suis affermi. Selon le verset 23. Je déclare que si je tombe, je ne serai jamais terrassé. Père Tessin, je déclare que tu me prends ma main. Je déclare, Seigneur, que ma postérité ne va jamais mendier. Maintenant, tu vas dire ce que toi-même tu veux. Avant, c'est si tu as observé ce qu'il y a de mal dans ta famille. Seigneur, je me débarrasse de l'esprit de célibat de ma mère. Je me débarrasse de l'esprit de pauvreté de mon père. Je me débarrasse de l'esprit de rejet que mes parents ont eu dans leur vie. À chaque fois que tu remontes, je remonte. J'avais mis un au départ. Maintenant, j'ajoute en deux, deux. Donc, tu mets la cendre. Ça, c'est cendre, sel. Ça, la cendre, sel. Et gel douche. Quand mes enfants vont se nettoyer avec ça, je déclare que toute malédiction venant de leur père ou de leur mère est enlevée de leur vie au nom de Jésus. Tout esprit de rejet dont j'étais victime, dont leur père était victime, je déclare que mes enfants en sont débarrassés au nom de Jésus. Voilà. Tu finis maintenant. Avant de commencer à utiliser ça, tu dois prendre l'huile rouge. Tu ouvres Deutéronome chapitre 28, verset 7. Psaume 35 et le psaume 37. Tu lis les trois là. Tu prends ton huile rouge, que voilà. Tu vas lire le psaume 35 seulement. Père très saint, voilà l'huile rouge sur ma main. Tu prends beaucoup. Tu pars à la douche. Tu oins tes pieds. Le bas de tes pieds là, jusqu'à la cheville. Merci pour les likes et les partages. Tu oins ça. Tu déclares, écoutez, vous devez parler. Quand tu parles, toi-même, tu dois sentir que non, il y a quelque chose qui est en train de bouger sur mon corps. Toute malédiction générationnelle qui a été sur moi. Tout fétiche que j'ai piétiné. Tout mauvais esprit qui est venu me chercher. Toute empreinte qu'ils ont mise sur moi pour me localiser et me faire du mal. Comme je suis en train de oindre mes pieds comme ça, je déclare que je suis désormais invisible pour eux au nom de Jésus. Je déclare que je suis débarrassé. Tout puits collectif dans lequel on a mis le membre de ma famille. Voilà l'huile rouge là. Tu penses à tu oins sur tes pieds. Tu parles. Tu oins aussi sur tes mains. Tout syndrome de main percée dont j'ai été victime. Je déclare que je me débarrasse au nom de Jésus. Tout ce qu'on a mis, que Jésus avait à percer ses mains pour moi. Moi, je ne vais plus jamais. Mes mains ne seront plus percées. Pélagie, tu dois avoir l'huile rouge là où tu es. Même en baignant à l'huile rouge. Au village d'Abadjoun, il y a l'huile rouge. Donc pour l'autre, c'est là, ils n'ont rien d'alternatif. Même à Washington, il y a l'huile rouge. Vous aimez trop la paresse. Il n'y a pas l'huile rouge, je fais comment? Parce que vous voulez vous asseoir dans votre lit pour faire. Tu vois que je dis, mets la salive sur ça. Tu parles, tu parles. Tu vois tes pieds et tes mains. Tu parles, mettant l'huile rouge là. Tu traces une corde autour de ton cou avec l'huile rouge. Tu lis Isaïe 10, verset 27. Tu déclares. Aujourd'hui, avec cette tension que je mets sur moi, je viens maintenant abolir, détruire tout joug qu'on a mis sur moi pour bloquer mes finances, pour me bloquer. Tous, Erika, ne te dérange pas, bijou. Ça, c'est la vraie sorcellerie. Tu as compris? La vraie sorcellerie. Tu as compris, ma chérie? Comme ça que vous faites, on vous mange, on vous dérange chaque nuit. Parce que vous voyez, vous dites que ça, c'est la vraie sorcellerie. Donc, si tu es encore petit, là, quitte, c'est pas pour toi ici, là. Tu as compris? C'est pas pour toi ici. Voilà. Le fauve, j'ai dit l'huile rouge. Arrêtez la paresse. Vous n'avez pas dit chercher l'huile rouge. Chercher l'huile rouge. J'ai dit, tu oignes l'huile rouge. Merci pour la rose. Tu prends l'huile là, tu mets sur ton pied. Tu mets sur tes mains. Tu parles. Que les problèmes de ma mère et de mon père ne seront plus jamais mes problèmes. Les démons que ma mère a combattus, jusqu'à est morte sans les finir, finir avec eux là. Vous me laissez aujourd'hui. Tu finis maintenant, tu prends le gel là. Voilà ça, non. Voilà ça. Gel douche, cendre et sel. Tu as chargé ça de prière. Oui, comment ça fait, non?
peux faire ça, tu mets dans un petit bol comme ça. Comme ça. Ok, tout son ça, la maman, la fesse est chargée. Oh, oh, yeah, yeah. La puissance qu'il y a sur ça. Tu prends ça, tu mets dans un bol. Vous avez souvent les savons qui sont dans les bols comme ça, non? Les savons noirs, vos savons là. Tu prends, tu frottes tout ton corps avec. Tout ton corps, en frottant, tu parles. Tu parles. Regardez. Je déclare maintenant toute mauvaise odeur sur moi. Toute malédiction de génération. Est-ce que vous savez que parmi vous, il y en a que tu as le... Tu en as, tu sens. Golden Fate, si tu ne peux pas t'asseoir pour écouter ce qui est fait dans la vidéo, c'est... Vous pas exagérer. Paye. Contacte mon secrétariat, tu payes, ils vont écrire ça, ils vont te donner. Tu as compris Golden Fate? Est-ce qu'on peut avoir ça par écrit? Facebook, vous-même, vous exagérez souvent, non? Bon, je dirais de 30 minutes, au lieu de t'asseoir pour écouter. Prends les notes. Tu mets sur toi, tu frottes. Il y en a parmi vous que quand tu sens mal, tu le sens, tu dis que tu es mauvaise, et toi, tu n'aimes pas consciente. Hein. Quand tu arrives, dès que tu arrives, les gens plient le visage. Tu demandes quelque chose à quelqu'un, il te dit qu'il va te donner, après, hein, il te bloque même. Tu prends, tu mets sur ton visage. Voilà. Comme je me frotte, j'enlève tout masque spirituel sur moi. Tu frottes. Tout masque, ça sent bon. Hein. Tu mets tout masque spirituel, j'enlève. Tout endroit, ils ont mis mauvaise image sur mon front. Qui fait que quand on me voit, quand on voit même mes posts que je fais, mes vidéos que je fais, les gens me détestent seulement. J'enlève. J'ai dit Isaïe 10, verset 27. Pour ceux qui veulent ce que moi-même j'ai préparé, je sens que j'avais commercialisé la fesse, maman. C'est puissant jusqu'à. Et même seulement ma main, c'est ça, les sens, ça. Mince. Tu prends ça, tu laves. Ton visage. J'enlève les malédictions générationnelles sur moi. Tout trou familial dans lequel ma mère était. Elle a souffert toute sa vie. Elle est morte sans voir sa part d'argent. J'enlève sur moi. J'enlève le masque qu'on a mis sur moi. Il y en a parmi vous, vous devez faire ça pendant 7 jours pour enlever le masque qu'on a mis sur votre visage. Vous riez. Moi-même, ça m'amuse. Tu frottes ton corps comme ça, là, tu frottes. Dans la Bible, quand il voulait jeûner et demander quelque chose de particulier à Dieu, il se couvrait de cendre et il portait des habits qui sont sales. Et quand il faisait comme ça, là, il part, il se met quelque part, il se couvre de cendre, hein, genre il s'humilie. La cendre dans cette potion est symbolique parce que la cendre, en fait, ça montre genre... C'est déjà fini. Quand quelque chose est au niveau, au stade de cendre, tu ne peux plus rien faire avec la cendre. La cendre est derrière la cendre, en fait. C'est le dernier stade. Tu ne peux pas brûler la cendre. Quand tu as brûlé, tu as tout fait. C'est la cendre qui est restée. Donc, tu montres que tout ce qui est au fin fond de moi. Donc, dans le fond, là, j'enlève. Dans ma racine. Ça m'empêche d'avoir le visa depuis. Tu as fait tes papiers 4 fois, on t'a refusé. Tu frottes. Tu fais un mets sur tout ton corps. J'ai précisé que l'huile rouge est là sur tes pieds. Maintenant, ça, tu frottes sur tout ton corps. Tu frottes. En parlant. Tu parles. Mes numéros, hein, je vais vous donner mes numéros. Pour le Cameroun, les consultations. Vous pouvez venir. Même aujourd'hui, je consulte. Demain, je consulte. Après-demain, je consulte. Vous venez, la consultation, c'est 33 000 francs CFA. Lavage aussi, demain, il y a lavage. 55 euros. Alors, ouvre l'autre téléphone. Tu as l'autre téléphone là-bas. Bon, donne-moi celui-là. Merci. Je vais donner les contacts. 693 au Cameroun. 693 50 22 66. Le Gabon, c'est le...
0741 80 080. Nantes, en France, 06 20 00 63 59. Bruxelles, 04 66 10 40 87. Côte d'Ivoire, plus 225 08 27 53 94. 680 71 07 01. 655 62 95 39. Ça, c'est pour Bafoussam. Pour Yaoundé, 655 31 0750. Voilà. Quand tu finis de frotter maintenant, tu prends de l'eau, tu mets trois pincées de sel dedans. Tu te laves maintenant. En te lavant, quand l'eau quitte de ton corps, tu dis que je suis en train de me débarrasser de toute malédiction. Comme ça part, comme ça ne revient plus jamais. Au nom de Jésus. Tout démon qui est en train de sortir de mon corps à l'instant, je déclare que tu ne me localises plus. Que tout ce que tu y avais sur moi qui faisait que vous me localisiez avant, je suis désormais indétectable pour vous au nom de Jésus. Amen. Dites votre pays, je vais lire. Vous dites que c'est rapide. Cameroun, 00237 680 71 07 01. Yaoundé, 655 31 07 50. Paris, 0753 95 56 69. Nantes, 06 20 00 63 59. Côte d'Ivoire, 08 27 53 94. Peu importe la page où vous me trouvez, les numéros s'ils sont sur la page Facebook. S'il n'y a pas votre pays parmi les numéros que je donne, vous contactez l'un des numéros ici sur WhatsApp. On pourra vous poster les produits. Voilà. Donc quand tu finis avec le gel, si le reste tu peux garder. Parce que tu as déjà prié dessus. Donc faites ça, vous donnez à vos enfants. L'enfant se lave avec. Et si l'enfant ne peut pas bien faire, toi-même tu laves ton enfant. Hein? Et ton enfant, non. Voilà. Faites ça, vous accompagnez ça avec le jeûne. Et quand vous finissez, vous faites le salaka. N'oubliez pas. Ce sont les étapes importantes pour se débloquer. Voilà. Sur la page YouTube, il y a cette vidéo. J'ai fait ça, j'ai mis sur YouTube. La page YouTube, c'est The Gift Digger Academy. Ce que je vous montre là, c'est la sorcellerie. Hein. Ne vous dérangez pas, c'est la vraie sorcellerie. Oui. Tous ceux qui sont bloqués là, vous allez penser que c'est la sorcellerie. Il n'y a pas de souci. Appelez ça comme vous voulez. Tout ce qu'elle sait, c'est que ça marche et que ça libère les gens. Faire le salaka, c'est très important. Donc, quand tu fais ton lavage après les 7 jours, ce que tu peux me faire, si tu fais un jeûne de 7 jours, le premier jour, tu donnes quelque chose à quelqu'un. Deuxième jour, tu donnes. Troisième, tu donnes. Quatrième, tu donnes. Pendant les 7 jours. Le dernier jour, alors, tu fais le grand frère. Voilà, Pamela, tu sais que tu cherchais ça depuis. Voilà. Faites ceci au moins une fois par mois. Et les malédictions générationnelles sont les choses qu'on ne peut pas enlever seulement une fois. Parce que toi, quand tu es là, tu devais être milliardaire. Quand tu enlèves la première couche, ça va te libérer même encore peut-être. Tu vas monter au niveau de 500 000. Si tu ne fais rien, tu vas rester au niveau de 500 000. Maintenant, pour évoluer, tu dois encore faire. Ceux qui sont en train d'appeler, on décroche les appels progressivement. Donc, j'ai bien précisé qu'il y a lavage aujourd'hui à Douala, il y a lavage demain, après-demain, même à Libreville. Facebook, c'est The Gift Digger Academy. T-H-E, espace G-I-F-T. Facebook et YouTube, The Gift Digger Academy. T-H-E, espace G-I-F-T, espace D-I-G-G-E-R, espace Academy. Quand tu fais chaque niveau que tu fais, ça va libérer ton argent. Chaque niveau que tu fais, ça va libérer ton argent. Chaque niveau que tu fais, ça libère ton argent. Ne fais pas ça une fois. J'avais fait ça il y a 6 mois. Et une semaine ne doit pas passer sans que tu fasses un travail spirituel, tu mets sur toi. Si on veut t'appeler marabout, tu t'en fous. Tu restaures ton argent. Quand tu as les règles, tu ne fais pas ça. Parce que ça, c'est l'étude de purification.
Pendant que tu fais tes règles, que tu as tes règles, non. Quand tu finis les règles. Voilà. Donc, je précise, dans la composition, si j'ai mis du gel douche, j'ai mis, tu peux mettre une, trois, cinq, sept pincées de cendre. Voilà la cendre. Et j'ai montré comment tu peux composer ta cendre. Tu prends un papier, tu écris ce que tu veux que ça s'arrête dans ta vie. Et tu parles en brûlant la cendre, le papier, tu dis que je me débarrasse maintenant de tout ce qu'il y a ici. Je me débarrasse du célibat. Je me débarrasse de la pauvreté. Je me débarrasse de ceci. Telle personne, tu vas m'épouser maintenant. Tu prends, tu brûles. Tu déposes dans une assiette ou bien quelque part. Ça brûle. La cendre là maintenant, c'est ça que tu vas mettre là-dedans. Pour te faire le corps avec. Donc, trois pincées de sel. Trois costauds de pincées de sel. Le gel douche. C'est rouge parce que j'ai pris le gel sang de Jésus. On vend le gel sang de Jésus aussi. Donc, tu prends le gel douche. Tu prends la cendre. Une pincée, trois ou sept. Et après, j'ai rajouté un peu d'eau. C'est pour ça que vous voyez, c'est plus léger que la norme. Ouais. Et quand j'ai mis, j'ai maintenant lu dessus. Bonjour, Sa Majesté. Le spirituel, quand tu vois quelqu'un, ces choses marchent, la personne marche. Vous comprenez? La personne marche. Parce que la personne connaît que si je dors, les coépouses se connaissent bien de quoi elle parle. Tente un peu de dormir en moi. Une autre de tes coépouses va aller. Ton mari ne va même plus passer dans ta case. Il ne va plus passer. Tu vas voir que c'est comment? Parce que l'autre est parti commencer à travailler. Tu dors, tu vas confirmer. Tu vas confirmer le code. Donc ceux qui ont les masques sur le visage, même si tu n'as pas fait quand même. Il y en a parmi vous qui on vous rejette tellement. Tu mets la cendre, tu prends la cendre et c'est avec le sel, tu frottes. Enlève tout masque. Tout masque spirituel qu'on a mis sur mon visage, j'enlève. Comme je frotte comme ça. Est-ce que vous savez souvent qu'on peut lancer la laideur sur quelqu'un? Ma mienne est trop belle. Pourquoi? C'est un bouton, faux bouton commence sur toi. Les faux boutons là, tu vois seulement que c'est quoi ça? Le numéro de France, il y a pour Nantes 06 20 00 63 59. Donnez-moi un peu le téléphone là-bas. Merci. Donc, on a les kits de déblocage. On a le kit fondation. Ça que je vous dis, le travail, c'est que pour les fondations, si vous accompagnez ça avec le kit fondation. Avec 7 jours de jeûne. Vous allez vous-même confirmer. J'en ai qui m'ont donné un témoignage. Qu'elle a fait comme ça, après, elle est partie dormir, elle se coucher dormir. Elle voit comment un voile qui est sur son visage. Une autre dit peut-être qu'elle fuyait une ombre noire avec son frère. Après, elle part quelque part, elle s'accroupit. Après, elle se dit, mais j'ai même peur, pourquoi? Elle s'est levée, chassée le tout, l'ombre, elle est partie. Du coup, il y a eu le soleil dans son rêve. Je ne sais pas si on rêve en couleur ou bien avec le soleil. J'enlève tout masque. Donc, regardez, je cherche le numéro. Je vais vous le donner. Le numéro de la France. Le Gabon 0741 80 080. Paris 0753 95 56 69. Nantes 06 20 00 63 59. TikTok, je ne connais pas comment on épingle les choses. Hein. Tu veux comme ça? Je touche justement. Tu touches pour quoi? Et à cause de bon, quand tu finis, tu as ça. Tu as la mis sur tes pieds, non? Arrête un peu. YouTube, c'est The Gift Digger Academy. Tu prends ton eau. Monsieur, si tu veux faire les bruits, pardon, sors de la salle là, pardon. Tu prends ton eau, tu mets une pincée de sel. Je vais prendre le sel pour rendre beau. Le sel d'attirance. Deux pincées de sel. Le sel rose, rose, c'est le sel d'attirance.
Trois pincées de sel. Le sel pour la puissance financière. Jaune. Donc, tu mets trois pincées de sel dans ton eau. Maintenant, tu prends cette eau, si c'est avec ça que tu vas te laver. Qui t'a envoyé toucher ça? Je vais vendre ma chose. Tu prends, tu mets sur toi, pourquoi? Hop. Tu te laves. En te lavant. Tu dis, je me débarrasse de toute malédiction générationnelle. Comme ça sort de mon corps comme ça. Toute ma chance, tu quittes de mon corps. Tu laves le visage. Rapportez-moi un mouchoir, Junior. Mouchoir blanc. Où est le papier hygiénique là? J'enlève tout voile mystique sur moi. Je suppose que Junior n'a pas trouvé. Moi, ma porte papier hygiénique, pardon. Quand Junior prend son temps pour les choses ici là. Si vous êtes attentif sur votre eau, vous allez voir que l'eau porte. Ça porte. Merci. Vous allez remarquer que ça porte. C'est sale en fait. C'est pas sale parce que c'est seulement ta saleté. Hein. Donne-moi de l'huile, s'il te plaît. Voilà. Quand tu fais ton lavage, tu dois toujours l'accompagner avec de l'huile. Parce que là où tu es maintenant, tu viens d'enlever tout ce qu'il y a de mauvais sur toi. Donc tu es comme un canevas qui est vide. Vous comprenez, non? Merci. Tu prends le temps de l'huile. Il y a de l'huile bénie. On en vend à Makepe. Vous contactez les représentantes. Ça, c'est l'huile pour les affaires. L'huile pour la prospérité. Et quand tu te laves ton eau, c'est là. Tu dois aller verser ça là où les gens marchent. Ne prends pas ça, tu peux mettre chez toi à la maison ou bien tu peux verser dans ta fosse. Bon, pour ceux qui sont en bengue, vous n'avez pas le choix, vous laissez ça pas dans la fosse. Maintenant, quand tu finis, le travail n'est pas terminé. Tu prends. Bon, pour ceux qui veulent les consultations ou achat de produits, il y a les numéros. Bon, je vous ai lu les numéros tout à l'heure. Donnez-moi le nom de votre ville et je vais vous donner le numéro qui est dans votre ville. Donc, tu prends de l'huile. Tu viens de défricher le champ. Maintenant, tu dois s'aimer. Donc, merci pour les likes. Je bénis cette huile. Trois doigts. Comme ça me touche, ça représente la présence du Saint-Esprit. Trois fois. Trois fois la croix. Si vous avez de l'huile de cannelle, l'huile de romarin, vous avez les huiles de prospérité là-bas. Je déclare. Que mon visage brille. Partout où on va prononcer mon nom. Partout où quelqu'un va voir ma photo. C'est la faveur qu'il va me donner. Partout où j'entre, les gens me voient. Le bonheur est dans leur cœur. Le numéro de doigt, c'est le 693-50-22-66. Je restaure mes finances. Comme je lave mes mains, comme je oigne mes mains comme ça. J'appelle mon agent des quatre coins de la terre. Toute personne qui m'a promis l'argent, je déclare que cet argent m'est restauré. Tu viens de laver tout ton corps, donc tu oignes aussi tout ton corps. J'enlève tout mauvais esprit qui s'est accroché sur moi. J'enlève maintenant toute malédiction. Je déclare que tu vas... Voici, je vais vous donner les passages maintenant pour planter dans votre vie. Tu prends Isaïe. Isaïe 60. À partir du verset 10. Tu as le cordon bleu là-bas. Non, ça j'ai. Merci. Je vais changer un peu. Voilà.
Tu vas donc lire. Je déclare, pendant que tu vas te oindre, je déclare maintenant que les fils de l'étranger vont rebâtir mes murs. Je vous ai dit qu'on avait cassé, on a détruit. Maintenant, on va reconstruire. Dans le spirituel, on détruit et on reconstruit. Si tu ne construis pas, tu t'ouvres encore au mauvais sort. Tu t'ouvres. Tu t'es débarrassé, mais tu t'es ouvert. Douala, c'est le 693 50 22 66 pour venir pour les lavages ici. Donc, je déclare que les fils de l'étranger vont rebâtir mes murs. Je déclare que leurs rois seront mes serviteurs. Je déclare maintenant que mes portes seront toujours ouvertes. Moi, Jocelyne, tu dis ton nom. Je déclare qu'elles ne seront plus jamais fermées. Je déclare que les trésors des nations entrent maintenant chez moi. Tout esprit de pauvreté qui était sur moi, je déclare que ça part. J'appelle maintenant les trésors. Je déclare maintenant que toute nation qui ne me servira pas périra. Je déclare que la gloire du Liban vient maintenant chez moi. Écoutez bien. Tu viens d'enlever tout ce qui était mauvais dans ta maison et sur ton corps. Maintenant, tu es en train de replanter. Tu plantes ce que tu veux. Donc, Isaïe 60. On est maintenant au verset 13. J'appelle la gloire du Liban sur moi. Je déclare maintenant que je suis orné. Je déclare que je suis glorifié. Les fils de, verset 14. Les fils de l'oppresseur viendront s'humilier devant moi. Je comprends, monsieur User, quelque chose. Tu dis que tu as les promesses qui ne se réalisent pas. Je suis en train de vous montrer comment restaurer, comment enlever la malchance sur vous et restaurer votre chance. Quand tu me dis qu'il y a les promesses qu'on ne réalise pas, c'est pour que tu te dises que quoi? Je te montre ce qu'il faut faire. Si tu ne le fais pas, tu veux que tu fasses un miracle? Le travail spirituel, c'est le travail. Le lavage chez moi, ça coûte 33 800 francs. Vous avez suivi, non? 33 800. Si tu viens ici physiquement, c'est 33 000 francs. Makepe à Douala, voilà. Ceux qui font le lavage à distance, le premier, il y a les lavages. Si vous êtes dans d'autres pays, vous envoyez votre photo avec votre nom. Donc, je vous montre ce que vous devez faire. Tu continues de lire. Tu me demandes comment, où est le quoi, avec quoi, comment. Je viens de vous dire, parler de l'huile, non. Il y a l'huile de prospérité. Soit si tu n'as pas l'huile de prospérité, tu n'as pas acheté chez moi, tu prends ton huile d'olive à la maison, tu bénis toi-même. Si tu n'as pas d'onction, marche, il n'y a pas de souci. Mais quand tu fais un travail spirituel, tu dois te oindre avec de l'huile. Pas ton huile, le lait Nivea, là, non. Ça va être ce genre d'huile. Voilà. Vous avez les huiles que vous avez achetées à Lourdes, les trucs comme ça. Vous prenez ça, vous utilisez. Si vous achetez chez moi, voilà, je vends de l'huile aussi. De l'huile bénie. Donc, je continue. Verset 14. Les fils de mes oppresseurs viennent maintenant s'humilier devant moi. Et tous ceux qui me méprisaient se prosternent maintenant à mes pieds. Tu es en train de reconstruire ta propre paix. Si tu es au Gabon, on va faire ça à Saint-Germain. Donc, il y a le numéro du Gabon, le 0741-80080. Ce sera à Saint-Germain le premier. Donc, tu contactes la personne et puis tu peux venir sur place pour le lavage. Si tu n'es pas à Libreville, tu envoies ta photo. Au Gabon, les lavages, c'est 40 000. Au Gabon, c'est 40 000. C'est seulement au Cameroun que c'est 33 800. Donc, tu continues. Au lieu que tu étais délaissé et haï et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours. Je déclare que je suis un ornement pour toujours. Je déclare que je suce le lait des nations. Je suce la mamelle des rois. Je déclare maintenant que mon rédempteur, le puissant de Jacob, c'est lui qui va me justifier. Je déclare qu'on n'entendra plus parler de violence dans mes murs, dans ma maison. L'huile, c'est 10 000 francs. Sa tuile, si c'est 10 000 francs. Vous demandez l'huile de prospérité. C'est l'huile pour les affaires, pour l'ouverture des portes. Quand tu as peut-être un business le matin, tu mets ça sur tes mains. Tu parles. Tu rajoutes peut-être du donne-moi tout. Tu prends une goutte de donne-moi tout. Tu rajoutes. Voilà le donne-moi tout. Bon, j'ai pris plus d'une goutte. Tu mets le donne-moi tout. Tu mets aussi de l'huile. Voilà. J'ai mis 3 gouttes d'huile et puis le moulin, tu fais ça ensemble. Tu parles. Tu ouins ton cou, tu ouins tes bras. Je déclare que je vais sucer la mamelle des rois aujourd'hui. Je déclare, comme j'ai lancé mon business là, je déclare que le plus petit devient un millier. Et je déclare aussi que le moindre, une nation puissante. On n'entendra plus parler de violence chez moi.
Le soleil ne me servira plus de lumière pendant le jour, ni la lune ne m'éclairera plus pendant la nuit, mais l'Éternel sera ma lumière à toujours. Mon Dieu sera ma gloire. Mon soleil ne se couchera plus jamais. Vos business que vous faites, ça tombe là. Mon soleil ne se couchera plus jamais. Tu déclares sur tes choses. Et tu déclares que je déclare que le temps est arrivé. Et c'est maintenant. Isaïe 60, du verset 10 au verset 22. Tu peux aussi lire Amos chapitre 9, du verset 11 à 15. Le donne-moi tout coûte 10 000. 10 000 francs. Voilà l'huile de prospérité. 10 000 francs. Il y a aussi les kits. Le sel commence à partir de 5 000 francs. Pardon, 1 000 francs. 1 000 francs, il y a aussi 5 000. Il y a aussi les choses qu'on a brûlées tout à l'heure. Il y a le laurier. Il y a le romarin. Et vous avez les kits. Pour faire tout ça là, tout ce que je vous ai montré aujourd'hui là, j'ai rassemblé ça dans un seul kit que j'appelle le kit fondation. Pour enlever les malédictions générationnelles sur vous. Le kit fondation au Cameroun, c'est 55 000. Au Gabon, c'est 70 000. Voilà. Les consultations aussi. Au Cameroun, les consultations, c'est 33 000. En France, consultation et lavage, 100 euros. Donc, je vous remercie d'avoir suivi. On a fait l'huile rouge, on a fait la cendre. Non, je ne vais pas utiliser le riz aujourd'hui. Et on avait la bougie là. Bon, vous passez une très 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 bonne journée. Pour les commandes, vous avez les numéros. J'ai donné les numéros tout à l'heure, je vais les donner à nouveau. Il pleut. Donc, on a le numéro de Paris. Je cherche le numéro. Pour le Gabon, c'est le 07 41 80 080. Amos chapitre 9, du verset 9 au verset 15. Donc Gabon 0741 80 080. Côte d'Ivoire plus 225 08 27 53 94. Plus 225 08 27 53 94. L'Allemagne le 0 049 17 66 41 99 519. Bruxelles 04 66 10 40 87. 0466 10 40 87. Les États-Unis, plus 12 02 98 98 352. Je fais des consultations en ligne, Princiana. Donc, Canada et Washington, États-Unis, plus 12 02 98 98 352. Cameroun, 693 50 22 66. Pour faire les Orange Money au Cameroun et payer la dîme, c'est le 698-36, ok, 367-221, 36-72-21. Donc, 698-367-221. Ça, c'est pour payer les dîmes au Cameroun, pour faire les transferts pour les dîmes. Donc, je pense que j'ai donné tous les détails. Si vous avez d'autres questions, vous contactez le secrétariat, ils vont vous répondre. Pour Paris, 0753 95 56 69. 0753 95 56 69. Nantes, 06 20. Il faut aller si on a besoin de quoi dire. 06 20 00 63 59.
Nantes. 06 20 00 63 59. Ça, c'est Nantes. Bon, à Paris, ils postent partout. Hein. Ceux qui sont à Paris et Nantes, ils postent partout. YouTube, c'est The Gift Digger. T-H-E, espace, G-I-F-T, espace, D-I-G-G-E-R, espace, Académie. Yaoundé, 655-31-0750. Yaoundé, 655-31-0750. Voilà. Donc, le lavage aura lieu demain aussi, aujourd'hui et demain, à Douala. Et les, pour les lavages à distance, pour le premier, enregistrez-vous. On prendra les inscriptions pour le lavage du mois jusqu'au premier à 10h. 10h, on arrête. Lavage, c'est 33 800 francs. Bon, vous passez une bonne journée.